présente, Clémence Bouffard. Avec une équipe formidable, j'ai pris la responsabilité de Briqueville en spectacle le printemps dernier. Malheureusement, vous connaissez la suite. Un mot que l'on veut oublier. L'un de nous a eu l'idée de nous donner un peu de bonheur à Noël. Tous les gens que vous verrez ce soir faisaient partie bénévolement du spectacle du mois de mars dernier et ils ont accepté généreusement de participer à notre projet Noël. En attendant le retour des beaux jours. Noël, c'est l'amour. Mon frère va chanter pour toi. Noël, c'est l'amour. Des hommes et des femmes vont chanter la joie. À tous ces amoureux de la musique, je veux dire un immense merci pour leur temps. Pour vous, ce sera un peu plus d'une heure de plaisir. Mais il ne faut pas oublier les heures de pratique, de planification, d'enregistrement, de montage, de décor et plus. Si jamais la tristesse essaie de vous gagner durant cette période des fêtes, vous pourrez toujours nous regarder à nouveau et même partager avec des membres de votre famille qui seront seuls. Je suis très heureuse de partager ce moment féerique avec vous, espérant tous vous revoir et cette fois en personne. Que votre soirée soit des plus agréables. Je vous dis à l'an prochain, bon spectacle! Noël, c'est l'amour, viens chanter toi mon frère. Noël, c'est l'amour, c'est ton cœur éternel. Du temps de ma mère, sa voix familière chantait douce et claire. Un enfant aimé, Noël, c'est l'amour dans les yeux de l'enfance. Noël, c'est l'amour le plus beau, le plus grand. Un monde commence d'un peu d'espérance, d'un ange qui danse auprès d'un enfant. Et moi sur la terre, j'entends douce et claire ta voix, ô ma mère, qui chante Noël. Et moi sur la terre, j'entends douce et claire ta voix, ô ma mère, qui chante Noël. Nous filons sous la neige blanche, en ce beau jour de dimanche, à travers les sapins verts. C'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. Les enfants de notre village chantent la joie de leur âge, et les grands murmurent cet air. C'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. Le bon Dieu dans son paradis doit aussi chanter avec nous, car la nature est si jolie, le bleu de son ciel est si doux. Nous filons sur la neige blanche, en ce beau jour de dimanche, à travers les sapins verts. C'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. C'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. C'est l'hiver, c'est l'hiver. C'est l'hiver. Le sentier de neige courant la vallée où danse au
cortège, les sapins gelés, et rester bien sage, témoin d'un baiser, que sur ton visage je t'avais volé. Des flocons de neige couvraient tes cheveux, et la lune beige nous rendait heureux. Je t'ai dit je t'aime dans la paix des bois, la neige en poème fondait sous nos pas. Ce sentier de neige, c'est pur et si doux, depuis protège notre amour jaloux. Je t'ai dit je t'aime dans la paix des bois, la neige en poème fondait sous nos pas. J'ai vu dans la nuit passer un traîneau, et j'ai vu aussi ton grand ami. Père Noël arrive ce soir. Il allait vers toi dans la cheminée, il allait vers toi pour y déposer tes jouets dans ton bas de soie. Eh bien, tu devras dormir sans te faire aucun souci. Même si tu n'en as pas envie, tu devras rester au lit. J'ai vu dans la nuit passer un traîneau, et j'ai vu aussi ton grand ami. Père Noël arrive, Père Noël arrive, Père Noël arrive ce soir. Imagines no possession. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of men. People living in the world agree that there will
la belle nuit de Noël. La neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel. À genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes jouets par milliers, n'oublie pas si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Le marchand de sable est passé, les enfants vont faire dodo, et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos. Au son des cloches des églises, ta distribution de surprises. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Si tu dois t'arrêter du monde entier, tout ça avant demain matin, mets-toi vite, vite en chemin, et quand tu seras sur ton beau nuage, viens d'abord sur notre maison. Je n'ai pas été tous les jours très sage, mais j'en demande pardon. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier.
neige recouvre la verte Finlande et que les rennes traversent la lande, le vent dans la nuit, au troupeau, parle encore de lui. Ta-lam, tam, tam. Tu connais tornade, danseur et furie et fringant, comète, cupidon, tonnerre et éclair, mais te souviens-tu du plus célèbre reine de tous, Rudolf? On l'appelait Nez Rouge, ah, comme il était mignon, le petit reine au nez rouge, rouge comme l'humignon. Son petit nez faisait rire, chacun s'en moquait beaucoup. On allait jusqu'à dire qu'il aimait prendre un petit coup. Une fée qu'il entendit pleurer dans le noir, pour le consoler, lui dit: viens au paradis ce soir, comme un ange Rudolf, tu conduiras dans le ciel avec ton petit nez rouge le chariot du Père Noël. Quand ses frères le virent d'allure céleste suivre très digne les routes célestes, devant ses ébats, plus d'un reine resta baba. On l'appelait Nez Rouge, ah, comme il était mignon, le petit reine au nez rouge, rouge comme l'humignon. Maintenant qu'il entraîne son char à travers les cieux, c'est lui le roi des reines et son effet des envieux. Vous fillettes et garçons, pour la grande nuit, si vous savez vos leçons, dès que sonnera minuit, ce petit point qui bouge, ainsi qu'une étoile au ciel, c'est le nez de Nez Rouge, annonçant le Père Noël, annonçant le Père Noël, annonçant le Père Noël. Start calling.
J'ai envie de vous raconter mon premier Noël à Bréquéville. Écoutez, moi, j'ai vécu à Bréquéville dans le temps où il y avait encore du temps. Alors, mon premier Noël, je ne connaissais pas grand-personne. Alors, j'avais décidé, après la messe de minuit, de me promener un peu partout dans la communauté. Je me suis mis à marcher. Il y avait une petite neige qui tombait, c'était vraiment merveilleux. Il y avait beaucoup d'endroits où il y avait de la lumière, mais en fin de compte, je me suis arrêté à deux pas de l'église. Une petite maison, très petite, un peu de lumière, et je me suis risqué à frapper à la porte. Alors, je frappe à la porte de la maison, et un vieux monsieur qui vient me répondre. Et je dis « Bonjour, monsieur ». Il me dit « Bonjour ». Il dit « Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ?» J'ai dit « Écoutez, je viens juste d'arriver à Bréquéville. Je suis le curé ici. Et puis, je voulais juste vous souhaiter un joyeux Noël. » Ben, il dit « Entrez. » J'entre. Le monsieur était tout seul. Il était encore debout à cette heure-là. Alors, on commence à parler. Et il me fait visiter tranquillement sa maison. Et dans sa maison, il y avait ce qu'on pourrait appeler une pièce secrète. Où est-ce que le monsieur remisait des choses importantes pour lui? Alors, il me fait visiter sa pièce secrète. C'était c'est comme un grenier. Hein? Alors, il me fait visiter sa pièce. Et puis, dans cette pièce-là, je remarque qu'il y avait des sacs. Plein de sacs dans la pièce. Alors, je dis au monsieur, c'est quoi qu'il y a dans vos sacs? Est-ce que c'est des cadeaux que vous allez faire bientôt? Est-ce que c'est des cadeaux que vous avez reçus? Alors, non, monsieur, il dit, écoutez, il dit, à mon âge, j'ai beaucoup de temps. Et je me promène un peu partout dans la communauté depuis un certain temps, depuis que je suis à ma retraite. Et je ramasse le temps que les gens n'utilisent pas. Ouais, je suis un recycleur de temps. Alors, je ramasse le temps, puis je l'emballe, puis je le dépose ici, dans mon grenier. Vous recyclez du temps? Oui, je recycle le temps. Et qu'est-ce que vous faites avec ça? Eh bien, je le mets en... Je le divise en sortes de temps. Et puis, ceux qui en veulent, je leur en donne. Ah oui? Intéressant. Et est-ce que vous m'en donneriez? Pourquoi pas? Mais ben, choisissez-vous-en un dans les sacs qui sont là. Alors, choisis un sac de temps. Ah, le monsieur, il dit ça, il dit, c'est un bon sac que vous avez pris là. Il dit oui. Ah oui, ça, il dit, c'est du temps pour écouter. Intéressant. Du temps pour écouter. Puis qu'est-ce que je vais faire avec ça?
Ben, je vous en fais cadeau. Puis il dit, écoutez, c'est pas plus compliqué que ça. Il dit, quand vous arrivez chez vous, vous trouvez une place dans votre salon, dans votre salle à manger. Vous placez ça comme dans un pot pour faire pousser des fleurs. Et puis, vous regardez le temps pousser. Ah oui. Alors, ça m'intriguait vraiment. Puis j'osais pas rire. Puis en même temps, je trouvais ça génial. Alors, je parle avec le monsieur quand même. Comme il était à deux pas de chez moi, eh bien, ça m'a pris beaucoup de temps à m'en retourner chez moi. Rien de chez moi, j'avais pas envie de dormir, j'avais sûrement juste envie d'ouvrir le sac et puis de déposer ça en quelque part. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. J'ai placé le sac. Mes plantes, j'avais enlevé les plantes dans mes plats de plantes, j'avais enlevé tout ça, puis là, j'ai dit, je vais placer mon sac dans un plat, puis je vais regarder faire ça. Comprenez que ça prend une bonne croyance pour voir pousser le temps comme ça. Hein? Alors, ça se passe, une journée, deux jours, trois jours, puis là, il se passait rien. Alors, j'ai dit, peut-être que le monsieur il a voulu rire de moi, je vais retourner le voir. Alors, discrètement, je passe chez lui, puis je frappe à la porte, il me reconnaît.
cette nuit-là, le jour était devenu. Cette nuit-là, à l'enfant adoré, cette nuit-là, les bergers et les rois accouraient là pour fêter cette joie près de Marie qui veillait sur l'enfant tous les cadeaux. Jésus est né, Ave Maria, cette nuit-là, le jour était donné, cette nuit-là, à l'enfant adoré. Cette nuit-là, le ciel nous l'a donné. Cette nuit-là, Noël est arrivé. Riding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mixing and the mingling, the jingling feet. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock.
Joyeux Noël! So this is Christmas. What have you done? Not a year's over. You won't just be gone. So this is Christmas. Hope you have fun. Near and the dear one, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas, for weak and for strong, the rich and the poor one, the road is so long. So happy Christmas, black and Joyeux Noël. Si la France ses rillettes, son foie gras, ses crèches jettent, la Belgique a ses gaufrettes, et Milan son escalope, Portugal a ses sardines, Toronto sa margarine, l'Espagne a ses mandarines, et l'anglais son bonne chaps. Mais nous, on fait exception au diable d'importation. À part la patate, à part la patate, la patate à part, la patate à part, le ragoût de pain, le ragoût de pain, la soupe au pois, qu'est-ce qu'on dévore.
C'est la tour, 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 la tourtière. On savoure, bourre, bourre, tout entière. Fête, 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 ménagère. Je trouve ça bon, ça bon, ça bon, la tourtière. On feinte la bouillabaisse que font cuire les Marseillaises. On tourne la mayonnaise du Tonkin jusqu'au Chili. La choucroute est allemande, le fromage est de Hollande. Chop suey garni d'amandes, tout ça c'est de chinoiserie. Mais nous, on est des gourmets, on aime les bons mets. À Port-le-Guerton, à Port-le-Guerton, qui est guère dans le thon, qui est guère dans le thon, ou dans le boudin, ou dans le boudin, qu'il faut manger quand on a faim. Mais tour, 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 la tourtière, qu'on savoure, bourre, bourre, tout entière. Et savoure, 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 à vous plaire. Je trouve ça bon, ça bon, ça bon, la tourtière. Vous voulez la recette, c'est facile comme une omelette. Vous mettez dans une assiette des machins, mais pas trop gros. Ajoutez des petites affaires, videz-y toute la salière. Embrassez la cuisinière et placez dans le fourneau. Mais pour faire du fla-fla, faut pas s'arrêter là. Pour casser le jeûne, pour casser le jeûne, il faut le jeûneur, il faut le jeûneur, le je ne sais quoi, le je ne sais quoi, pour relever ce plat de choix. Tout d'abord le dandan de grand-père, de la part de tante Aurore, c'est jarretière. Pour pas faire de peine encore au beau-père, ajoutez une couenne de lard de la belle-mère. Noël, que mange-t-on? De la tourtière. Au jour de l'an, que mange-t-on? De la tourtière. Et au roi pour le gueuleton? De la tourtière. De la panse jusqu'au menton, de la tour. De la tour. À tourelou. Tourelou. De la tour, lourelou. La tourtière. Alors j'ai dit peut-être que le monsieur il a voulu rire de moi. Je vais retourner le voir. Alors discrètement, je passe chez lui, puis je frappe à la porte, il me reconnaît. Et je lui dis, mais écoutez, j'ai dit, le temps que vous m'avez donné, j'ai dit, il se passe rien. Et j'ai dit, bon, ben il dit, écoutez, il dit, est-ce que vous vous asseyez devant votre sac de temps, puis est-ce que vous écoutez? J'ai dit, oui, mais dans le fond, je faisais pas grand-chose. Mais il dit, écoutez, du temps pour écouter, là, ça va marcher avec du temps pour parler. Alors, j'ai un sac de temps pour parler, mais il faudrait que vous demandiez à quelqu'un qui vienne chercher un sac de temps pour parler, puis qui s'assoit avec vous. Ah oui? Bon. Alors, qui je vais trouver pour aller chercher un sac de temps sans qu'il rie de moi, hein? Alors, il y avait une dame qui était sacriste. On appelle ça sacristain à l'église. Je dis à la madame, j'ai dit, est-ce que vous aimeriez ça, avoir du temps pour écouter, du temps pour parler, du temps, ouais? Ah, ben oui, écoute, moi, je suis toujours au bout de mon temps, je manque toujours de temps. Alors, iriez-vous chez Monsieur Lapierre, qui est ici à côté, j'ai dit, puis lui demander s'il y aurait pas, il pourrait pas vous passer du temps pour parler. Bon. Un peu perplexe, la madame. Mais comme j'étais le curé, puis qu'elle voulait me faire plaisir, ben, elle est allée chez Monsieur Lapierre, qui a donné un sac de temps pour écouter, pour parler. Elle vient chez moi. Et là, elle, dans son sac, elle avait un livre d'instruction.
Elle dit ça. Elle dit, il faut d'abord placer les sacs à 2 mètres. Ah! Ça donnait bien. On était dans ce temps-là. Ensuite, elle dit, il faut que vous placiez un face de l'autre. Doucement. Puis vous commencez la conversation. Ah oui. Puis vous choisissez une heure dans la journée où vous faites ça. Ça prend un rituel. Très bien. Alors, la sacristine s'installe avec moi. On dit, on va faire ça vers 5 heures. Et dans son livre d'instruction, il s'était marqué, avant de procéder pour faire pousser votre pain, vous prenez ce qu'on appelle une boisson pour arroser votre pain. C'est important. C'est un peu comme on arrose une plante, puis il faut arroser le temps aussi. Alors là, vous avez le choix entre prendre un verre de rosé ou un shooter de gin. Ah, ça donnait bien, parce que moi, j'avais du gin chez moi, puis elle avait du rosé. On fait ça. Alors, on fait ça pendant peut-être une semaine de temps. Et pendant cette semaine-là, curieusement, à chaque fois qu'on se rencontrait, je demandais à la madame, parlez-moi donc de Briqueville. Moi, j'arrivais. Hein? Et chaque soir, la madame me racontait un bout d'histoire de Briqueville. Je trouvais ça intéressant. Et plus que le temps avançait, plus que j'en apprenais sur l'histoire de Briqueville, et plus que je tombais en amour avec cette histoire-là. Tellement qu'écoutez, je suis resté 20 ans là. Et maintenant, je fais partie de l'histoire. Pour que Noël berce et réalise tes rêves, faudra semer à ton tour des petits tout et des tout petits rien, et sans attendre un retour, et que tu ouvres ton cœur à rêver de jours meilleurs, et sache bien qu'à toutes les heures, à tous les jours, le temps ce n'est que de l'amour. Oui, le temps, ce n'est que de l'amour. Joyeux Noël! Noël. Frères et sœurs, c'est vraiment une belle joie de voir cette implication des artistes locaux qui viennent à travers leur talent, à travers la musique. Et vous savez que la musique va souvent bien au-delà des mots, qui viennent nous aider à goûter à la joie de Noël, à la joie de ces chants qui savent éveiller dans la mémoire que nous en avons, dans la chaude mémoire que nous en avons, qui savent éveiller des souvenirs, des moments heureux, des moments de rencontre, des moments de joie. Merci aussi pour votre présence. Vous savez que vous pouvez soutenir aussi votre communauté à travers donc le support financier qui permet à la communauté de pouvoir continuer de grandir. Ce qui fait une communauté, ce n'est pas une église. Ce sont les personnes qui l'animent. Et au nom de l'équipe pastorale et en mon nom personnel, je tiens à dire un immense merci à tous ceux et celles qui font de leur communauté le lieu où résonne leur voix. Pour d'autres, c'est Noël. Merci beaucoup. Un dernier chant. Chants ont été ainsi écrits, pas simplement comme ça, à cause de la foi qui animait les personnes, comme d'autres chants ont été animés par la joie, d'autres par l'amour. Laissons tout ce qui a été semé en nous reprendre vie à travers ce chant qui vient clore ce gala, ce spectacle qui est une grande joie pour nous tous. Merci et joyeux Noël. Originelle et de son père
arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. C'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple de mots, chante ta délivrance. J'espère que vous avez aimé votre soirée. Merci encore à tous les participants pour leur implication. Ce sont des gens de cœur. Un merci spécial à Denis Carrier et Carole Drouin pour tout le temps qu'ils ont donné pour le succès de ces enregistrements. Enfin, un gros merci au Conseil de Fabrique pour la confiance qu'ils nous ont fait en nous prêtant l'église Sainte-Hélène pour les enregistrements. Bonne fin de soirée, à l'an prochain.